Des histoires, il en a plein la tête, mais attention, elles pourraient bien vous empêcher de dormir. En vrai fan de Stephen King, Alain Crébois se passionne pour l'invraisemblable. Il a même sorti son premier livre, Pretium Doloris, en auto-édition, un thriller fantastique. Et depuis peu, Alain écrit des nouvelles pour la radio. Il les lit chaque semaine sur l'antenne de Radio Lézard. Elles s'appellent Prémonition, Amicaleville ou encore 20 mortels. On est loin des contes pour enfants et loin aussi de sa profession. En vrai, touche-à-tout, cet électricien de formation est devenu chef d'entretien, puis chef de sécurité et régisseur dans un hôtel. Rencontre avec Alain Crébois dans Dites-moi tout. Bonjour Alain. Bonjour Laure. Alors, voici ton premier livre, Pretium Doloris, l'affaire de Gatso. Oui. Alors, je raconte un petit peu l'histoire. La plage de Gatso, donc sur l'île de Léron, est le théâtre de plusieurs meurtres, très sanglants et sans lien apparent. Une enquête policière est menée un petit peu sur le fond d'ésotérisme. Tout à fait. Voilà, c'est un petit résumé. Raconte-moi comment elle est née, cette histoire. Alors, cette histoire est née de façon un peu étrange, en fait. Ça faisait 7 ans que j'étais sur l'île de Léron en vacances et avec des amis. Et un jour, notre ami prend un sacré coup de soleil sur le crâne. Il était un petit peu chaud, on va dire. Et il devient un peu rouge, bien sûr. Et là, une vision m'est apparue. Sa tête gonfle, elle explose et il court vers la mer. Donc, c'est un peu le... C'est le deuxième meurtre. C'est le deuxième épisode. Et c'est démarré de ça. Et alors, comme j'avais mes enfants à la maison, on avait loué une maison, et le matin, donc dans la nuit, je gambergeais cette histoire petit à petit, et le matin, sur un cahier d'écolier, j'écrivais l'histoire et je le racontais. D'accord. Et voilà, ça a démarré comme ça, par 3 cahiers d'écolier. Et dis donc, tu racontais ça à tes enfants Ouais, mais d'une façon édulcorée, parce d'accord. que moi, je ne voulais pas trop les effrayer quand même. Ah ouais, donc tu aimais bien vacances. Déjà raconter des histoires Ouais, tout à fait. Ouais, à tes enfants, en tout cas. Et l'ésotérisme, alors est-ce que comme tous les ados, tu as appelé les esprits Pas vraiment, parce que je ne suis pas branché là-dedans. Mais moi, quand j'étais donc pendant 7 ans sur l'île de Léron, j'ai senti comme une ambiance. C'est marrant, pourtant, je ne suis pas là-dessus. Et les églises, les calvaires... cette île qui a été longtemps isolée du continent parce qu'il n'y avait pas de pont, c'était le bac. Ensuite, les bateaux qui sont bénis, les morts en mer et tout ça. Donc il y a une ambiance qui m'a un petit peu inspiré. Et c'est devenu naturel pour moi de mêler à cette ambiance ésotérique. D'accord. Alors je l'ai dit, tu es retraité. La plupart des retraités, ils jouent à la pétanque, ils jouent aux cartes, ils se lancent dans l'associatif. Toi, tu as décidé de te lancer dans l'écriture. Pourquoi ça ? J'ai du temps quand on est retraité à s'occuper de ses enfants, ses petits-enfants, faire un petit peu de football, comme je t'ai expliqué. Il reste du temps, pas mal. Et puis, comme j'ai pas mal d'idées qui me viennent, j'aime bien les transcrire. D'accord. Donc, ce livre, en fin de compte, a démarré en 95. Quand j'étais sur l'île de Léron, oui. J'en ai voulu faire d'abord un scénario, ouais. Mais comme ça n'a pas passé, je l'ai transcrit en livre. Donc d'accord. Ça m'a pris pas mal de temps. Il est sorti en 2014 seulement. Hein. Et ensuite, j'ai écrit des nouvelles parallèlement, comme ça, que j'ai mis dans un tiroir. Et puis voilà, des trucs qui me viennent. D'accord. Il n'y a pas trop cherché. Hein. Tu me confiais aussi en préparant cette entrevue que tu travailles sur un autre livre avec encore des meurtres, encore une enquête policière et donc encore une énigme. C'est vraiment ton truc, ça, l'énigme. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait ce suspense et tout. Et voilà, ça tout mène à fait. À la fin. Il faut que j'emmène le plus loin possible le lecteur. Et qu'il ait une surprise à la fin, inattendue. Hein. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans les séries policières, souvent. Oui. Donc voilà, ça c'est un peu ma marque de fabrique, si je puis dire. Et dans la vie, t'es comme ça aussi ? Aménager un petit peu tes histoires, à créer une ambiance, un suspense à... Oui, un peu. À l'occasion d'anniversaire, j'étais amené à créer des petites scénettes, des petits sketchs, comme ça, même déguisés, créer des costumes et tout ça. Pour mes 50 ans, j'avais été à Précy-sur-Marne dans une guinguette qui est là-bas. Et là, j'avais fait venir un autocar. J'avais dit aux gens, vous venez en voiture, mais
vous restez à côté du terrain de football, on va venir vous prendre. Donc, dans l'autocar, il y avait donc des musiciens. Et je m'étais inspiré des Beatles, quand ils ont fait une tournée, Magical Mystery Tour. T'as le goût du spectacle, ah, en fait. Ah ouais, hein. Ça j'aime bien, ouais j'aime bien. T'as un showball un petit peu. Ouais, un peu, ouais, ouais, ouais. Bah, il faut des thèmes aussi, hein. Faut se renouveler. Alors, tu as au compteur une vingtaine de nouvelles, oui. Dont 8 qui ont été diffusées sur Radio Lézard. Oui. Je te propose qu'on écoute un extrait de l'une d'elles, Amicaleville. Volontiers. Allez, on écoute. M'engage lentement sur une route sinueuse et en pente. Étrangement, la tempête a cessé dès que je l'ai empruntée. La route est bordée à droite d'une végétation dense, mais à gauche le terrain est escarpé et des ravins dangereux obligent à la plus grande prudence. Au détour d'un virage, j'avais fait déjà une bonne dizaine de kilomètres quand il est apparu. Alors, on sent que tu aimes faire monter le suspense. Hein. Ouais. Ah oui. là, avec la voix, en plus, ce travail de la voix, tu t'en donnes à cœur joie, non? Bah oui, mais c'est pas facile. Hein. Pas facile. Bah non, dans une même séquence, une même nouvelle, je peux avoir un homme, une femme, un enfant. Et oui. Et donc, je suis tout seul à parler. C'était ma question suivante d'ailleurs. Comment tu fais pour travailler, pour incarner comme ça plusieurs personnages, hommes, femmes, enfants? J'essaye de me rapprocher le plus près de la voix de cette personne-là, oui. Bien entendu. Donc, quand c'est un enfant, je fais un petit peu, une femme un peu plus aiguë. C'est pas évident parce que j'ai une voix plutôt grave, moi, oui, personnellement. Oui. Gestuelle. Oui. Qui me donne, si tu veux, un peu à la Pierre Belmar, là, ouais. Comme ça. Donc, il faut faire vivre le texte. Voilà, je fais vivre mon texte par une gestuelle à côté. Voilà. Écoute, l'émission touche à sa fin. Oui. Je te propose une petite question bonus que tu vas découvrir sur cette tablette. Ok. Alors, je vais te la passer, tu vas pouvoir l'écouter et y répondre. Voilà, tu appuies au centre. Je reconnais cette personne. Tu connais. Bonjour Alain, j'ai une petite question pour vous. Si vous étiez le personnage de l'une de vos histoires, quelle activité, quel rôle auriez-vous? Alors, le criminel, la victime ou l'enquêteur? J'ai peur d'avoir la réponse. Donc, de qui s'agit-il? Vous reconnaissez là, oui, personne? C'est Véronique. Hein, oui, Véronique. Bien sûr, que j'avais rencontré dans vos locaux. Et alors, bon, c'est sûrement l'enquêteur. L'enquêteur. L'enquêteur, ouais, l'enquêteur. C'est oui, je fouine, je cherche, je fais des hypothèses, voilà. Donc. Ça t'aurait bien plu, ça, être enquêteur, être policier? Je pense, oui, je pense que, oui, quelque part, j'aurais aimé bien aller chercher la personne coupable, quoi, hein, ouais. Par rapport à la société. Récolter les indices, voilà, les mettre bout à bout. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, dans une autre vie, peut-être, tu seras enquêteur. Enquêteur. Merci beaucoup, Alain. Ben, de rien. Je te propose qu'on se prenne en photo en oui. Guise de revoir. Volontiers. Et de souvenir. Alors. Le selfie. Hop. Merci, Alain. De rien. C'est moi qui te remercie de ton accueil. Si vous aimez les enquêtes et le paranormal, Pretium Doloris pourrait bien vous plaire. Le livre est en vente sur Amazon. Et si vous préférez plutôt qu'on vous raconte des histoires, écoutez la rubrique Lis-nous, lis-nous sur radiolizard.fr. Voici le blog d'Alain, aact.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut.